Doucement les oreilles. Tiens, chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. Gloria, ça vient d'où? D'un film qu'on avait vu à la télé. C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras. T'as peut-être raison. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus. Il a tué des gens? Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est du prénom de ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. Je t'en fous, faut que je bouffe, bordel! On va vous prendre la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées. Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas. Hein? Tu vas dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai, Gloria?